Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Les sentimentales, je vais zoomer sur dans le domaine sentimental, je vais zoomer sur la situation sentimentale d'une personne, je vais partager tout ce que je peux partager avec vous. Je débute par un message carte et ensuite l'écrit du jour, comme toujours. J'espère que vous vous portez tous et tous très très bien. Je tiens à vous remercier pour toute votre présence, participation sur la chaîne, peu importe quelle qu'elle soit. Merci, 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 merci. Et on y va, c'est parti, sentimental. Sentimental. Alors, la personne de votre cœur à gauche, votre lien au milieu, le lien, c'est ce qu'il peut y avoir entre vous. Ça peut être du positif, ça peut être du négatif, ça peut être le travail, ça peut être tout ce qui vous entoure, ça peut être pro, ça peut être dans les relations, ça peut être la famille, ça peut être tout le monde, tout. Ça peut être tout le monde, oui, ça peut être tout le monde. Bonheur, réussite, A et B. Pour la personne de votre cœur, il y a du bonheur, il y a de la réussite. Eh bien, bonheur, réussite. Alors, ensemble, vous avez une voie toute tracée, hein. Ensemble, vous avez une voie toute tracée. Votre lien, là, pour moi, c'est écrit, hein. Votre relation, votre lien, c'est écrit, hein. C'est écrit. Alors. Alors, y va, bonheur, réussite. Vous apportez beaucoup de bonheur, vous avez une voie toute tracée. La personne de votre cœur le sait. Que vous avez votre lien, c'est destiné, vous avez une voie toute tracée. Enfin, voilà. En tout cas, aussi, la route, hein, la route devant vous, elle est sans obstacle. Hein, il n'y a pas d'obstacle. Hein, c'est là, sur votre lien, il peut y avoir un effacement des obstacles, hein, de part et d'autre. C'est possible. Il va y avoir une réponse, la personne de votre cœur va avoir soit un verdict, c'est possible, si c'est dans une séparation, dans un divorce, ou alors voilà, on attend un verdict, peu importe quel qu'il soit, ça peut être un verdict pour des enfants, ça peut être un verdict professionnel, financier, enfin, on peut attendre une réponse, hein, ça peut être d'ordre dans la justice ou pas, hein. Pas forcément, hein. Mais pas, c'est pas forcément, mais en tout cas la réponse, ça va apporter du bonheur et de la réussite. Donc ça va être une bonne nouvelle pour la personne de votre cœur. Va recevoir une réponse, ça va être une bonne nouvelle. Donc ça peut être en justice ou pas du tout. Hein. Je peux avoir, il y a peut-être un homme, ça peut être soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux, un homme en fait qui peut faire un obstacle, barrage en fait peut-être à votre lien, peut-être à votre amour, mais en fait j'ai une fin de cette personne sur votre lien. Il y a peut-être un déblocage de la situation. Alors, ça peut être une personne connue, inconnue. Hein. Voilà, ça peut être dans le pro, ça peut être... Voilà. Mais en tout cas, il peut y avoir... Vous avez une voie toute tracée ensemble. Et il peut y avoir... que cette personne vous ralentisse. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui va se stopper, qui va s'arrêter. Hein. Vous, avec rapidité, il y a une évolution, vous allez évoluer avec rapidité. C'est peut-être suite à la fin de ce blocage de cet homme. Soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux, d'une personne connue ou inconnue. Mais pour moi, ça peut être une personne inconnue ou connue. Hein. La personne de votre cœur va avoir un retour à du bonheur, à de la réussite aussi. Peut-être après un verdict. Peut-être qu'il y a eu un verdict aussi qui a peut-être, je le partage, j'ai ça, je vous le partage. Il y a peut-être un verdict qui a mis du temps, beaucoup de temps
temps, ou alors qui s'est stoppé, et là, ou alors il y a quelque chose qui repart, en fait, dans de la justice, c'est possible. En tout cas, cette personne va réussir. Voilà. Alors, ça peut être un homme comme une femme, hein, aussi. Ici, il peut y avoir une ouverture, et après, vous allez ouvrir. Il y a une... voilà, il y a... Ça peut être une personne négative, toxique pour votre lien. Et une fois que cette personne va être connue ou inconnue, qui va se, voilà, cette personne va sortir de votre lien. Et ensuite, vous allez pouvoir ouvrir votre destinée ensemble. Vous, vous allez réussir votre évolution avec de la rapidité. Vous allez réussir, hein. Ça peut être professionnel, financier, peu importe le travail que vous faites, vous allez réussir. Ça peut être aussi un futur examen, ça peut être une promotion, une évolution de carrière, hein, professionnelle, financière, mais ça peut être aussi à votre compte, c'est possible. En tout cas, voilà. Vous allez recevoir aussi pour moi un cadeau. Il y a un cadeau aussi qui arrive. La personne de votre cœur ce qui mettrait dans le bonheur et dans la réussite aussi la personne de votre cœur, c'est de faire un retour à des correspondances vers vous, vers votre lien. L'ouverture de la destinée ensemble, donc être ensemble, hein, correspondre ensemble, discuter ensemble, va vous apporter de la santé et du bien-être. Hein. Et vous, soyez tranquille, hein, vous allez réussir. Hein. Pro, financier, voilà, vous allez avoir une très très grande... soyez tranquille, vous allez réussir. Hein. Ça peut être aussi une formation, ça peut être une évolution de carrière, une promotion, enfin, voilà. Vous allez réussir. Là, il est temps. Il est temps pour moi d'échanger. Quand vous allez échanger ensemble, il y a un cadeau qui va se déclencher sur votre situation, soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux. Pour moi. Des cadeaux qui arrivent sur vos situations respectives, soit pour l'un, soit pour les deux. Allez, je partage. Alors, sentimental, pour moi, pour moi, pour moi. Alors, je peux avoir. Je peux avoir une accélération. Accélération et clôture. Donc ça peut être une accélération sur une clôture, ou des choses s'accélèrent dans une clôture, qui va vous permettre de terminer, vous allez, une clôture c'est pour terminer un cycle négatif, hein. Mais il y a quelque chose de totalement nouveau. Hein. Le cycle négatif va se terminer. Après la clôture, le cycle négatif se termine. Ça peut être un laps de temps après parce que voilà, il peut y avoir encore des choses un petit peu négatives sur votre situation, un peu dans tous vos domaines ou un domaine qui arrive en fait pour moi. Mais une fois que vous allez en ouvrir un autre, hein, et ça sera quelque chose. Vraiment de positif, de très 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 puissant.
Il y a quelque chose de puissant qui arrive à vous sur la situation durant cette pleine lune. Il n'y a plus de retard, hein. Il n'y a plus de retard, il n'y a plus de... Plus rien ne pourra être retardé, peut-être sur une clôture, sur des accélérations, sur... sur votre performance. Non. Vous allez pouvoir... accélérer les choses. De toute façon, même sans le vouloir, ça va accélérer. Hein. Je vous vois totalement décoiffé. Vous soyez un homme ou une femme, je vous vois totalement décoiffé. vous allez avoir des habitudes. Ouais, il y a des habitudes saines. Vous l'êtes déjà, ou alors encore plus, ou alors vous allez récupérer des habitudes saines. Il y a un coup de téléphone, un coup de téléphone, un appel, hein, il y a un appel qui arrive à vous, hein, dans votre famille. Un appel. Vous allez faire naître un nouveau projet, il y a un appel positif qui va faire naître un nouveau projet. Il y a des choses qui sont en cours et vous allez réussir ce nouveau projet. Les habitudes saines aussi, l'appel... Vous allez réussir à les lier peut-être à des soucis que vous rencontrez dans votre famille. Soucis. J'ai une fin. Une fin des soucis durant ce printemps. Vous pouvez avoir un petit garçon de 0 à 17 pour moi. Allez. Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui, c'était un réel plaisir, bonheur pour moi, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur la vidéo, j'adore vous lire, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À bientôt.